C'est parti, et je suis donc en charmante compagnie, effectivement, avec un magicien, Eric Leblond, que nous avons accueilli. Et je ne savais pas, mais notre Frédéric Galland, il est aussi imitateur. Oui, bah oui, oui, oui. Oui, bonsoir. 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 Alors ce soir, dans l'émission, la grande émission. Oui. Pas mal quand même. Hein. C'est bien. Bon, alors, trêve de plaisanterie, il va falloir réaliser un défi. Vous êtes en forme, Eric? Très en forme. Je vous ai vu avec non, le ballon. J'ai peur quand je vois tout ça. Je me dis, c'est du boulot. Il va falloir attaquer sur les chapeaux de roue. Petit ballon, hein. Si vous voulez, je fasse une sculpture rapide. Bien. Rapide, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'il paraît que vous savez faire ça, vous ouais, aussi. Je fais faire que de talent sur ce plateau. Non, un truc de fou, un animal un peu. Crocodile. Chameau. Vous taisez-vous? Oui. Un chameau. Je vous le fais, mais faire dans le dos. Chameau. Un chameau. Je sais pas pourquoi je sens mal. C'est 10 torsions. Voilà, comme je suis en première année, ça va être un spermatozoïde de chameau. Ah, faut attendre pas mal, ouais, 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 pas mal, voilà. Pas mal. Très bien, très bien. C'est très réussi. Voilà. Bon, j'écris mes textes. Ça, c'est sûr, en tout cas, nous allons avoir des fraises pour le défi ce soir. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On va faire une crème au citron. On va mettre aussi dans un siphon, donc on va se dépêcher, c'est du boulot quand même. Hein, ouais, complètement siphonné. Donc une crème au citron. Au siphon. On siffra. Voilà, donc on a du jus de citron. On a déjà travaillé. Ah ouais, parce que j'ai déjà bossé un peu avant, parce que voilà. Aussi, hein. C'est vrai, j'ai c'est coupé vrai. Le citron, oui, quand c'est même. Vrai, c'est vrai. Pas mal. Jus de citron, on va les zester. On va mettre le zeste dans ce jus. Mmh. Très bien. Donc deux citrons. Deux citrons pour le prix d'un, Eric. Oui. Je sais que vous êtes au taquet, vous, aujourd'hui. 160 grammes de jus de citron. Toujours. 160 grammes de jus de citron, deux zestes de citron. Et on va mettre 250 grammes. De sucre. D'accord. Comment s'appelle ce dessert d'ailleurs? Donc c'est une dessert au citron. Est-ce qu'il a un petit nom? Oui, c'est au citron et la fraise. Fraise gariguette marinée à l'huile d'olive, crème de citron et meringue craquante. Alors on vous le met où le zeste? Mettez-le directement dans le. Mettez-le directement dans le. Voilà, ça fait quelques morceaux de sucre hein, quand même. Ah bah oui, bah, c'est light c'est encore une fois. Que des recettes light on le voit, avec on notre vous chef. Voit ou pas faire? Bah écoutez, je. Alors faut pas caresser le truc, faut y aller. Mais moi je suis douce comme fille. J'ose pas lui faire trop de mal à ce petit citron. Allons-y. C'est des citrons de Menton, moi. Vous avez raison, oui, oui. Boostez-la un peu parce que je crois que le dessert là, il est pas. C'est vrai. On va faire le plein de vitamines. Vous pouvez faire. Oui. Oui. Oui, Menton d'Espagne. Dites-moi, chef. Dites-moi. Pardon. On va retirer manger les petites queues de. D'accord. Des fraises. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce qu'au niveau de la queue, il vaut pas mieux laver les fraises avant de retirer le. Absolument. Ah, voilà. Oui, il faut toujours laver les fraises avant de retirer la queue. Donc là, elles ont été nettoyées. Elles ont été nettoyées. Donc je les écute. Écutez-les, là. Absolument. Oui, vous mettez la queue là-dedans et vous mettez les fraises là-dedans. On va juste les couper en deux. En deux. Voilà, hop. Absolument. Voilà. Voilà. C'est dans mes cordes. C'est sensationnel. Voilà, alors juste là. Par contre, pour la meringue. Regarde un peu, Virginie, parce que je ne suis pas rassuré. Non, mais on va revenir tout à l'heure. Hein, je vous taquine un peu, hein, Virginie. Je vous adore. Bah, attendez, je vais vous donner un petit coup de main. Allez-y, parce que c'est juste que j'ai allez, un regardez. Petit peu chaud. Oh, c'est ça. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien prendre mon temps quand je fais le zeste, parce que. Le problème, c'est que. Mal, sur la grande émission, nous n'avons pas énormément de temps. Non, c'est vrai. Hein. Bon, les morceaux de sucre sont déjà en train de fondre. Voilà. Alors une fois qu'on aura mis. On va juste donner la petite recette de la meringue craquante puisqu'on ne va pas avoir le temps de le faire. On a envie de l'entendre cette recette. Il nous faut un temps pour temps de sucre et de blanc d'œuf qu'on va monter en neige et qu'on va bien serrer. On va ajouter dedans le zeste d'un citron vert haché et on va ajouter aussi 100 g de sucre glace. Voilà, on va tartiner un moule et on va dire 3 heures à 80 degrés. Terminé. Donc recette très citronnée. 3 heures. Ouais. Citron vert, citron pardon, jaune, merci. Et il y aura aussi des fraises. On va continuer donc ce dessert. À tout à l'heure, Eric. Allez, à tout à l'heure. Et alors, ça sent bon le citron, là. On en est qu'il y a beaucoup de bruit hein, dans ce coin cuisine et qu'on s'est fait un petit peu éclabousser. Hein. Alors, ça nous fait pas de mal, mais enfin, c'est vrai qu'on en a un petit peu partout. Ouais. Le Thermomix, c'est ce robot voilà, que vous avez utilisé. On va rappeler rapidement ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas chaud, mais c'est vrai. Non, non, c'est vrai qu'il faut avancer un peu quand même. Bah, quand même, ouais, on est là pour ça. Un petit peu de cuisson. On a juste un défi à faire. On fait une crème citron. Comme pour la tarte au citron, en gros. D'accord. Donc on a, comme on a vu tout à l'heure, on a fait le sirop de citron avec le jus de citron, le sucre et le zeste. On l'a porté à ébullition. Le zeste, très important. Voilà. On a monté 6 œufs entiers avec 40 grammes de sucre. Je confirme, ils étaient entiers. Oui. Avec la coquille maintenant. Avec la coquille. Oui, encore un peu là. Un tout petit peu de coquille. Voilà. Et on a ajouté ensuite ces œufs qui ont été montés au sucre avec le petit sirop. Et on va mettre ça à cuire pendant 10 minutes. Mais chef, si on n'a pas de Thermomix, excusez-moi, comment on peut faire là? Alors au bain-marie. Par contre, voilà. Il faut des bras. Pendant 10 minutes, il va falloir remuer au bain-marie. D'accord, c'est un travail d'homme, en somme. Oh, alors ça, bravo, messieurs. Hein. Bon, en tout cas, nos fraises, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Mais ça, on va les mettre à mariner. Donc, on va prendre de l'huile d'olive. Huile d'olive. De Falicon, en plus. De Falicon. On va mettre un petit peu de sucre glace. Très bien.
Alors, vous me les rendez, oui, les fraises? C'est pas vrai, ça. Allez, pas trop, hein, parce qu'elles sont déjà bien sucrées. Il en a tellement goûté qu'il n'y en a plus. Allons-y. Quel gourmand, cet Éric Leblanc. C'est bon. Un peu d'huile d'olive? Un peu d'huile d'olive. C'est marrant, ça se mélange. Vous aimez bien mélanger fraises et huile d'olive. Moi, j'aime même les olives noires avec l'olive, avec la fraise. C'est vrai que ça se marie bien. Maintenant, bien. C'est plutôt inattendu. Ok, mélange, donc maintenant on mélange. Voilà, comme, voilà. C'est pas vrai. Mettre c'est un trait de vinaigre balsamique blanc dedans. C'est pour pas possible. Un petit peu d'acidité. D'accord. Oui, comme elles sont pas du tout acides en fait, les gariguettes. Excusez-moi de m'intéresser. Oh. Non, mais c'est comme vous dites, d'accord. Bon, d'accord. Je mélange. Mais non, mais je suis appliqué. Voilà, bon, y a pas besoin de mélanger. Voilà, on c'est bien. Bon, j'ai bien mélangé. Ça va au niveau du cours de mélangeage. Et pendant qu'on marine, wow. Eh bien on va retrouver pour la dernière fois Éric Lebon. Non, c'est moi, Éric Lebon. Éric Charret, voilà, vous me perturbez. Éric Charret, bien sûr, sur le plateau de la grande émission. Ça va aller. C'est terminé. J'ai goûté en tout cas cette petite crème. C'est délicieux. Vous allez pouvoir donc nous rejoindre. Mmh. On va rappeler, Frédéric, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'alors, vraiment... C'est du beurre. C'est beaucoup de beurre. Et c'est du citron. C'est une crème de citron. Donc, comme... Comme on a, comme je vais vous le rappeler de tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Voilà, hein, je lui dis. ça chauffe sur c'était le plateau. Dur là. Hein. C'était dur. Dites-nous. Dites-nous. Mais ça, c'est pas dans la recette, ça. Si. D'accord. On va en mettre un petit peu. Et ça, on peut en mettre. Le taquin. Un petit peu. Hein. Le taquin. Alors, plus dites qu'il y a beaucoup de choses sur notre table. On va en mettre un petit peu dans les fraises. Voilà. Alors déjà, les fraises, on le rappelle, on les a marinées à l'huile d'olive. Voilà. Et Virginie les a goûtées. Ouais. Hein, c'est, on sent bien. Elle a sent bien l'huile d'olive. Non, non, c'est. Non, voilà, c'est étonnant au palais. Ça, non, non, j'ai bien aimé. Mais on sent plus l'huile d'olive que la fraise. Et lui, il n'a même pas goûté. Non, parce que j'ai vu votre tête, je me suis dit, je vais pas. Je... Non. Donc, n'importe on a fait quoi. Notre crème au citron. Oui. Hein, bon, là, elle est encore chaude, donc j'ai un peu triché, je l'ai faite un peu d'avance. On l'a mis on la met directement dans le sifflet. On va venir. Venez. On a une belle assiette. Ah, bah tant qu'à faire qu'elle soit belle, oui. Tout à fait. C'est mieux. Hop, j'adore ça. Oh, belle. Voilà. Donc notre petite meringue au citron vert, absolument. On l'a fait comment? Parce que ça, on avait pris aussi un peu d'avance, il faut juste 3 heures de cuisson. Hein. Voilà, exactement. Petite astuce pour ceux qui veulent faire exactement la même chose à la maison. Pour la petite meringue, oui. Ben, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je mais peux, oui, je faut peux le rappeler, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc c'est rapidement, un temps pour temps, 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre moule, on les bat, on les monte en neige, et on ajoute le zeste d'un citron vert et 100 g de sucre glace. Ensuite, on va tartiner un moule demi-sphérique et on va les cuire pendant 3 heures à 80 degrés. On va avoir un petit peu de temps devant soi quand même. Voilà. Et maintenant, nos petites fraises. Les petites fraises qu'on va dresser harmonieusement, joliment, si vous pouvez me donner un petit coup de main. Mais bien sûr, chef. Voilà, on va venir comme ça tout autour, mettre nos jolies petites fraises. Éric Leblon est parti, il regarde, il se dit... Moi, c'est surtout que je vais sauter dessus. Il est temps que je déguste. Alors, on va tous sauter dessus. On va remercier Frédéric Galland et se dire à demain. Frédéric, pour un nouveau plat. Éric, à mercredi prochain pour un nouveau défi. Désolé, il faudra prendre votre ticket. Et on appelle en urgence notre Rémi Molinari et on découvre cette légende avec mes cartes postales. J'ai fait un tabac. On rappelle qu'ici, on cultivait le tabac au début du XXe siècle à Villeneuve-Loubet. La boucle est bouclée. Merci beaucoup Paul Trémella. Et demain, eh bien, c'est Émilie Jumeau qui sera avec nous. Elle a créé ici à Potempo un centre équestre où on fait de la voltige. C'est une voltigeuse elle-même, une cascadeuse aussi parfois pour le cinéma. Et elle viendra nous expliquer sa vie à Villeneuve-Loubet et sa passion pour les chevaux. À demain, 18h30, 19h30. Bon appétit, à demain. Ciao. Ciao.